You want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. Voilà, de retour sur Gaming TV, bien sûr, pour la suite de la GSL Ailey. Ouais, effectivement, on arrive sur le Winner Bracket. Classique contre Scarlett, donc un match de première importance, puisque Classique, on en a parlé avant cette petite pause, qui est un taulier coréen, ancien joueur SKT T1, un véritable contender, et en face, bah, c'est Scarlett. Tout à fait, en face, c'est Scarlett. Scarlett, une des meilleures joueuses foreigner dans une forme olympique, et qui, ici, s'est qualifiée en GSL, s'est qualifiée pour le Winner's Match. Peut-elle se qualifier pour le Round of 16? Ce qui serait la première fois dans l'histoire des foreigners, si je ne m'abuse. Ouais, en tous les cas, c'est pas arrivé depuis au moins plusieurs années, 3, 4, 5 ans peut-être. Au tout début, il y en avait qui avaient tenté l'aventure GSL. Ouais. Mais j'avoue ne pas me souvenir exactement d'un résultat. J'ai le souvenir que beaucoup ont échoué dès le CODA. Et là, nous sommes en CODES, donc l'étape d'au-dessus. Scarlett est bien présente et va se retrouver du coup face au Chintos pour cette rencontre. Les deux joueurs qui se sont défaits de manière hâtive de leurs adversaires, 2-0 et 2-0. Oui, ça a été expéditif. Bah, Myung-sik, vous en aviez parlé, honnêtement, a pas pu montrer grand-chose. Enfin, il a tenté deux cheese, bon, bah, contre un joueur du niveau de Scarlett, bah, ça passe pas, hein, clairement. Et puis bah, derrière, Classic, il n'a fait que deux bouchées de son adversaire au live, avec des games très en contrôle. Vraiment des ball bang game, tu vois, si ça existait les écoles de StarCraft, je pense que c'est ce genre de partie contre. Ouais, clairement, hein, Classic Live, c'était un apprentissage du PVT. Hein. En ce moment, beaucoup de gens vous diront, et notamment les développeurs de StarCraft, puisqu'ils envisagent un nerf, vous diront que Steran, c'est plutôt fort contre Protoss. Et Classic, bah ouais, a développé un jeu vraiment, comme tu l'as dit, contrôlé, qui lui a permis de sécuriser, en fait, avantage sur avantage, face à un adversaire qui, il faut le dire, est légèrement inférieur, hein, en termes de skill ces derniers mois. Ici le choix des maps, des breaks qui a été choisi par Scarlett, tandis que du côté de Classic, on a choisi Newkirk Precinct. Et si ça doit en arriver là, ça se terminera sur Tourbillon. Ouais, effectivement. Daybreak. Alors, est-ce que tu pourrais nous éclairer, mon bon TKL, sur ce choix de Daybreak? Ouais, est-ce que c'est une carte qui est quand même assez pleine de petits couloirs, si je ne m'abuse? C'est pas forcément une carte que j'aurais jugé favorable aux Zerg. Pas nécessairement favorable à certains types de jeux Zerg, notamment les styles Bending Ravageur, qui vont bénéficier des grands espaces ouverts. Mais c'est vrai, dernièrement, elle a montré beaucoup un style plus Zergling Bending, même contre Protoss. Et c'est un style qui, mine de rien, n'est pas trop gêné par le principe de couloir. C'est une map sur laquelle tu peux jouer Muta, c'est une map sur laquelle le joueur Protoss peut avoir des difficultés éventuellement à prendre sa B4, puisque soit il prend une B4 avancée vers le joueur Zerg et donc potentiellement exposé, soit très loin de sa B3, donc difficile à défendre. Donc il y a aussi sûrement ce facteur, hein. Je pense que Scarlett n'a pas du tout l'envie, en fait, de rentrer dans une game de 30 minutes contre un joueur Protoss qui l'amènerait à faire face à des tempêtes et des carrières. Mais ici nous sommes partis dans la game avec en haut à droite pour le Canada. Et je vais te demander de repasser sur nous puisque le stream s'est lancé en background, machin Maeva. Ouais. On s'entend en double. C'est ça, on s'entend complètement en double. Ferme-la moi-même. L'auto ta gueule. Et Classique en bas à gauche. C'est ça. La rigueur coréenne contre le flamboiement, j'ai envie de dire, caucasien. C'est ça, flamboiement caucasien, flamboiement de la joueuse canadienne ici, qui va devoir tenter de faire la différence. Et ça pourrait déjà être le cas avec un cheeky drone ici qui a décidé de se décaler. Et ça ressemble à un drone de Proxy Hatch, mon cher Eli. Oh, alors ça, j'aimerais bien. Et oui. Je t'avoue que la petite strat bien cheesy comme ça en entrée de BO, elle fait toujours très plaisir. Donc, on arrive par le nord. Et ça va être la Proxy Hatch. La bonne Proxy Hatch qui est posée ici dans le coin. Scarlett qui va commencer par cheeser son adversaire, lui faire goûter aux spécialités canadiennes, de la bonne grosse poutine, du bon gros fromage avec des frites et de la sauce. Bien sûr, le fromage est posé sous la forme de cette hatchery. Derrière, bah, il va falloir envoyer la sauce. Ça va se baser principalement sur le Zergling ici, si on en croit ses premiers bâtiments. Maintenant, elle pourrait toujours envisager de poser un Roach Warren un peu plus tard. Ouais, ça va faire pouic au niveau de cette B2. Alors, elle est pas un peu loin, cette hatchery, pour vraiment être un danger? Bah, en fait, la hatchery est là. Le creep va aller à peu près jusque là.
Donc, c'est-à-dire que quand tu vas amener une queen ou éventuellement des spine crawlers que tu pourrais former à proximité, c'est que des choses qui vont pouvoir taper en fait sur les premiers bâtiments du wall. Et contre Protoss, t'as pas besoin de détruire tout son wall. Tu as besoin de détruire un accès suffisamment large pour permettre à un grand nombre de Zerglings de passer. Ici, Classic Key, en voyant la proxy H, cancel instantanément son Nexus et pose donc son Cybercore, ce qui est normal, mais aussi une forge pour pouvoir ajouter des canons et même fait une double couche à son wall, ce qui est un choix intéressant qui va lui permettre de gagner énormément de temps. Ouais, effectivement, c'est pas mal. Là, les forges, j'aimerais voir si on va partir sur massivement de la tourelle pour être un choix clairement payant. Ce qui nous promet des duels épiques. Hein. Spine crawler contre tourelle. La hype est totale. Donc, le premier qui va se mettre en place, le Zilote, qui part directement avec les premiers dégâts, c'est Cancel. C'est bien fait, les taloches que ça envoie. Ouais, ouais, à ce moment-là, sur des spine crawlers hein, qui, du coup, sont en construction, ça fait extrêmement mal. On a même perdu un drone ici, hein, ce qui est extrêmement douloureux pour Skylight qui avait poussé drone et donc perdu de Lincoln pour pouvoir poser ses spams. Mais pour l'instant, qui n'a pas encore fait les premiers Zerglings qui sont là, mais qui ne peuvent pas tester la puissance du Zilote, accompagné de ses copines, les probes. Ici, Classic, qui voit la spine crawler en train d'être construite sur le lowground, qui va aller la choper directement. Les Zerglings, eux, pour l'instant, qui ne trouvent pas la place. Est-ce qu'on peut arriver à récupérer Zilote? Le surround, ouais, c'est pas mal, la première queen qui va sortir. On va pouvoir récupérer l'infanterie Protoss. Il y a un deuxième Zilote qui est au coude à coude. Encore du Gling qui va arriver. Et les tourelles qui sont là. Les tourelles qui sont là, qui tapent et qui vont faire le nettoyage, hein, j'ai l'impression ici, qui en tous les cas dégage cet Overlord, ce qui va vouloir dire une très légère forme de supply block pour Scarlet. Hein. On va pas pouvoir produire les roaches au moment où le roach Warren se termine, ce qui est forcément extrêmement problématique. Et derrière le Mothership Core qui peut arriver de manière parfaitement incontestée pour taper sur la Queen, peut-être même la terminer ici, elle n'a pas assez de points de vie pour se rebiffer. Cette Queen qui tombe face aux balles de ping-pong du Mothership Core et les canons du joueur Protoss ici qui devrait empêcher l'Espagne de trouver un emplacement juteux. Ouais, on va quand même pouvoir trouver, j'ai l'impression, une petite position intéressante. Oh non, ben non, c'est un non. Photon Overcharge dans ta tête. C'est ça. Et cette hatcherie qui ne va pas faire long feu, même si on repositionne l'Espagne. Ça met du temps à s'enterrer. Voilà, ça saute derrière le creep qui va disparaître. C'est et ça. Cette strat de Scarlet bah, qui la met dans le dur là. Excellente réponse de la part de Classic. C'est ça. Et tu vois, tu te demandais si la hatchery n'était pas un peu trop loin pour faire la diff. Et ben moi j'aurais tendance à dire qu'elle était peut-être un peu trop près. Peut-être que c'était le genre de hatchery que t'aurais plus voulu voir même presque là que ici, puisqu'on le voit, la différence s'est faite très très rapidement au niveau du positionnement des bâtiments de Classic. Et derrière, et ben, on est dans la douleur hein, du côté de Scarlet qui ne prend pas expand pendant ce temps-là, qui est en train de full all-in sur une base, d'opter le tout pour le tout contre deux canons, un Mother Ship Core, des troupes déjà sorties. Ça va être extrêmement complexe. Ouais, ça va être dur. Attention les builds là, le petit sidestep du Momo qui passe bien. Et donc, on est sur un Zerg sur une seule base face à un Protoss qui a sorti un wall qui ferait pâlir de jalousie à Muraille de Chine. Ou le bon. Mur de Monsieur Trump, hein, bien sûr. Oui, exactement. Là, clairement, on est sur Great Wall qui va bloquer tous ces fiefés mexicains du côté de ces Zerglings. Les Bill Grosses, cependant, qui sont balancés sur les canons pour essayer de réduire un petit peu les défenses. GG. Ouais. Elle le sent bien que ça ne passera pas à Scarlet ici. Il n'y avait rien à faire. Là, je pense que c'était plié, honnêtement. Bah, tu peux essayer de prolonger la game si tu veux, mais dans tous les cas, tu as un retard qui est tellement important. Est-ce que t'es sur quoi? Attends, une hatcherie, donc 400 de minerai. Les spine crawlers, c'est combien en termes de coûts? Les spine crawlers, c'est... Alors, si ma mémoire est bonne, c'est 100, mais tu as aussi le coût du drone, évidemment. Oui, en plus, t'as le coût du drone. Donc, t'es sur en fait 150, 50, 300. Donc, t'es à 1000 de minerai déjà d'investis qui sont pas payants, sachant que derrière, tu perds le temps de minage et tu perds les larves. Bref, tu perds tout. Et donc, Scarlet, ici, qui accuse une première défaite sur un style de jeu voilà, très, très, très cheesy, très poutinien. Si tu me permets l'expression, contre Classic, en référence voilà, du coup à la Poutine, mais pas du tout au président russe. Voilà, exactement. Non, effectivement, elle n'a pas du tout réussi à imposer son fromage. Maintenant, ça a du sens. Hein. Classic, c'est vraiment un des top du panier. Donc, c'est normal de ne pas réussir à lui dégouliner dessus. Il faut se lever très très tôt si on veut le faire. Et ici, il va peut-être falloir du coup du côté de Scarlet tenter la macro game face à Classic, ce qui est jamais une option ultra enviable. Ouais, effectivement. Alors, Scarlet, toi qui connais mieux l'historique de la joueuse, c'est pas une joueuse qui te chie souvent, on est d'accord? Ah si. Si? Ah si. Si si. Ok. Ah, si, si. D'accord. D'accord, elle, pour moi. C'est une joueuse qui est très très complète et du coup qui est vraiment capable de tout, mais le truc c'est que quand elle fait des cheese, elle en fait des vrais, tu vois, des bien sentis, des bien vieillis en fond de cave, tu vois, c'est des trucs dont on se souvient. Elle avait notamment fait un pull drone contre Stats, on s'en rappelle en tous les cas. Oh oui. En bas à gauche, de Newkirk Precinct, la joueuse canadienne. Il s'agit de... Team Expert, Scarlet.
Ouais, Scarlet en plus qui va devoir évoluer sur la carte choisie par son adversaire. Qui n'est autre qu'un Protoss rouge, particulièrement pas content. Classic. Fighting. Donc sur New Predict. New Kirk. Attends, comment tu New Kirk Precinct. New Kirk Precinct. Ou District de Neo Kirk. District de Neo Kirk. Ah, votre. Ouais. Alors pour le coup, une carte, personnellement j'aime beaucoup la jouer quand Protoss parce que bah les deux bases sont super proches, t'envoies un oracle, super tour en le rushant. Et tu prends. En fait tu mets la saucisse tout simplement ton adversaire. Mmh. Donc là je suis curieux de voir comment Scarlet va réagir, sachant que bah on est dans un format de BO3, qu'elle perd la première game sur la carte qu'elle a choisie, sur un cheese, là elle arrive dans la zone de confort de son adversaire. Donc autant vous dire que ça sent le pâté. C'est ça, le pâté des familles, le pâté de campagne ici. Du côté de chez Classic, donc à voir comment est-ce qu'il affine son pâté, voilà, est-ce qu'il l'affine eh bien au Roquefort ou est-ce qu'il l'affine aux petites herbes de Provence, c'est la question qui se pose. En tous les cas, ça va partir sur un build de Classic ici, un Gate Expand, okay. Un build de Classic, un build de standard du coup, Gate Expand de la part du joueur Protoss, alors que du côté de Scarlet, pareil, on est sur la macro, hein. Assez standardo, standard, voire même... Une troisième matcherie un petit peu rapide, c'est tu grides un petit peu sur le fait d'avoir un gaz un petit peu plus tard, mais du coup tu as une expand un petit peu plus tôt avant la marque des 2 minutes, pourquoi pas. Ouais, ok, donc bonne grosse game macro, bien salace comme on les aime, la propre qui vient scout, ah, on vient taxer le petit pack de minerais qui sert pas à grand chose mais qui fait toujours plaisir. C'est ça, c'est juste le fait de casser un petit peu le rythme. Ici on a récupéré un bout de minerai, du coup on ne pourra pas continuer à faire ça. Mais le but effectivement c'est de le faire sur les carrés de minerais les plus proches de la hatchery, puisque c'est ceux qui vont le plus augmenter l'income du joueur en fait, de manière purement théorique. Sachant qu'à ce moment là en fait le joueur Protoss a plus d'intérêt à le faire, parce que lui grâce au chrono boost qu'il a dès le début de la game a en théorique une ou deux propres de plus. Donc tu peux avoir 5, 10, 15 minerais de plus. Et sur des games d'extrêmement haut niveau, hein, ça ne sert à rien de le faire au tien, hein, voilà, n'essaye pas. Mais sur une game d'extrêmement haut niveau, ça peut très clairement faire la différence entre est-ce que unité est là ou pas, à temps pour défendre ou attaquer, et donc la conclusion de la game. Clairement. Alors ces petites 15 de minerai, le ball qui est bien positionné du côté de Classic, le Momo qui est là. Et du coup, resub de 16 mois de petit Nick, certains d'entre vous n'étiez pas niais que je regardais déjà au gaming. C'est vrai, mais dans ce cas-là, ils sont très jeunes. C'est pas faux. Et le viewer le plus jeune que je connais a 12 ans. Et du coup, il était déjà né. Et un jour, ce sera possible. Quoi ? Un jour, peut-être, au gaming aura 40-50 ans. Ah bah, et alors là, mec, comment ça peut-être ? Bien sûr. On continuera de caster à 80 balais. Ah bah, moi, je compte mourir au bureau de cast, hein, très clairement. Ça me paraît être évident, à l'âge de 43 ans d'une cirrhose bien sûr, mais ça c'est un problème différent. 90% des gens dans ce métier. Exactement, et du coup ça part drop d'été du classique qui lui n'a pas l'intention de mourir d'une cirrhose, mais de tuer son adversaire dans des souffrances atroces, c'est-à-dire a priori du drop donc de Dark Templar, mais peut-être du drop par contre ici Blex qui, je ris de... De petit Nick qui pense être un ancien, eh oui, effectivement. Bien vu mon ami, 27 mois, est-ce qu'on peut faire mieux? Ah ouais, bah les papas, les vrais papas de la base de la papa, de papa outé, de la papoté, hein, bien sûr, tout à fait. Eh bien, ils ont 28 ou 29 mois maintenant, hein, donc on est sur du déambulateur de qualité, quoi. Ah, on est sur du golden déambulateur, hein, très clairement. Ils arrivent dans les clips de rap et ils exposent leur beau déambulateur pour avoir de la jeune granit de 50 ans à leurs pieds. Très clairement. La jeune crête de 50 balais. Eh oui, évidemment. Tellement fraîche. Right. Alors. C'est comme si elle sortait du berceau, t'entends. Elle se bave encore dessus. Ah, c'est beau ce que tu dis. N'est-ce pas? C'est plein de poésie. Samuel, 49100, bien sûr, pour ses 22 mois de 22 mois, pas mal. Not bad. Un bon début. Pendant qu'on a un Warp Prism qui est parti vers des contrées éloignées. Il y a des contrées du Zerg, alors il est vide d'ailleurs, qu'est-ce qu'on va aller warper là-dedans? DT, du DT, sur un drop DT. DT. Pour un drop DT en fait mon cher Ellie, du coup ça s'ouvre systématiquement sur un conseil crépusculaire et ça se reconnaît généralement au fait que t'as une robot qui a rajouté très vite et que le conseil crépusculaire ne recherche rien, donc que tu économises du gaz pour une Dark Shrine et généralement le prisme en fait warp en chemin ici, il a warpé les DT et les a transformés immédiatement en archontes drop pour permettre contre. De choper un maximum d'unités. Et boum, les bonnes taloches dans l'Overlord. Eh oui. Ça fait plaisir, on est parti du coup sur cette B3. Alors là par contre, il y a du monde, hein. T'as pas vraiment envie d'aller là.
Ah, il y a clairement du monde au balcon ici du côté du joueur Zerg qui est en train de réceptionner son adversaire, les Queens et la Sport qui ont déjà fait leurs dégâts sur le prisme. Mais ça c'est dommage hein, pour Classic. Prendre du dégât sur le prisme, ça veut dire que tu peux prendre moins de risques avec ton unité de transport par la suite, et donc tu peux rester aussi moins longtemps pour mettre la pression sur le joueur Zerg. Mais c'est pas très grave parce que la pression elle va continuer et augmenter du côté de Classic qui rajoute 4 gates ainsi que la charge, donc potentiellement une énorme attaque. Pas forcément en ligne parce qu'on prend une B3, mais une très grosse attaque néanmoins. Ouais, deuxième drop là, on cherche le cafard. Fera dessus, attention le shield là, mid life sur les deux archontes, et on les remonte. Dans le prix, il prend. Enfin, il joue assez safe sur sa micro archonte. Ouais, de on manière. Sent, c'est voilà, mi-shield. Et on rentre chez mamie. Et Radul qui just subscribe, bien sûr. Merci à toi pour ton sub qui fait très plaisir. Et ouais, tu dois être extrêmement safe au niveau de tes archontes et de ton prisme. Parce qu'en fait, le moment où tu les perds, c'est le moment où toutes ces unités, plus les 12 roches qui sont en production, sont autorisées à traverser la map. Là, si Scarlet traverse la map et qu'elle ne sait pas où est le prisme, et là, elle sait qu'il est là, mais si elle ne sait pas que, par exemple, il est juste là et qu'il se prépare à dropper, bah en fait, elle pourrait sortir, mais elle prendrait le risque de perdre toute sa ligne de minerai. Là, elle sait où est le prisme, et s'il était mort, elle le saurait aussi où il était, c'est-à-dire dans les abysses. Eh bien, elle pourrait complètement traverser la map et potentiellement tuer le joueur Protoss, mais le joueur Protoss qui a prévu lui-même de faire son propre push. Ouais, on est parti là avec une belle composition, Imo Sentry, un petit Arcote et derrière surtout les charges Lot. Mais il y a beaucoup. Il y a vraiment beaucoup. Les Force Field de là qui sont pas mal en train de gagner de la distance. Le slow et le resub au passage de Xekantz. Allez, il faut fuir là du côté de Classic. Ouais, on fuit, mais du coup les Sentry qui se traînent le cul et qui se font rattraper par les Roaches qui eux bénéficient bien sûr du speed et qui se déplacent donc extrêmement vite des Roaches de compétition. Ici il y en avait 3 qui étaient un peu isolés, du coup on va brûler pour les prélever, mais il n'y a pas assez d'unités ici pour tenir du côté de Classic. Du coup on traîne, on traîne, on traîne, on traîne, mais du coup l'immortel est resté trop longtemps. On va se faire sniper l'unité. Pendant ce temps là on a des unités de la part de Classic qui ont été warpées et du coup beaucoup de dégâts qui pourraient être infligés. Est-ce que c'est en train de partir au full trade base ici? J'ai l'impression que oui, effectivement, puisque l'armée à l'est de l'ami Classic est quand même complètement tombée. On va mettre de la photo de recharge pour essayer de stopper l'avancée de George Zerg. Deux photos de recharge qui ont été claquées pendant ce temps-là. Le drop de Zelot qui fait son petit bonhomme de chemin, mais il y a énormément de cafards à la défense. Les sondes qui passent au milieu du champ de bataille sans sourciller. On va re-warper encore. Qu'est-ce qu'on balance cette fois-ci? Du DT. Toujours plus de DT. On voit bien qu'il n'y a pas de détection et du coup on en profite pour envoyer plus de DT. Le reste de l'armée ici de Skyrim qui était un petit peu statique, mais qui va repasser à l'offensive avec de la production de ravageant en continu, de la bile corrosive pour choper le pylône photon de recharge. Il va falloir choper également celui-là, mais on peut d'ores déjà Arras sur cet immortel qui est bien seul, bien esselé. Ouais, l'Imo qui tombe là. La robot qui est empêchée de pouvoir continuer de produire, et la base qui a sauté, hein, la base principale du joueur Zerg par ce drop d'été, très bien vu de la part de Classic. Toujours pas de détection. Si c'est bon, ça y est, le vigilant qui a fait son apparition, la bonne micro au passage puisqu'on a réussi à refaire monter les DT dans le prisme, et ça force toujours l'entrée de la base Protoss pendant ce temps là ouais, ça force toujours ici Sky qui a réussi à sauvegarder un petit peu sa base, comme tu l'as dit, enfin qui a réussi eh bien, à colmater les trous dans son embarcation, mais qui ici est en train d'en percer des très très larges, des trous dans l'embarcation du joueur Protoss. Ici les îlots qui tentent de tenir la distance, tandis qu'on avait un archonte je crois en formation du côté de Classic, et quelques DT qui arrivent par derrière pour essayer de faire un maximum de dégâts. Mais il y a beaucoup d'unités, 73 de pop à 34 ici en faveur de la joueuse Protoss canadienne, Zerg canadienne pardon, qui du coup est en train d'essayer de pousser son avantage, mais les unités qui repoussent toujours plus loin. Les billes corrosives sur l'arconte pour le finir, l'arconte qui meurt, l'immortel qui n'a plus le bouclier, mais le qui vigilant, pour l'instant est sauvé. Le vigilant, ça tient. Ouais, et Classic est vraiment dans une position difficile là, avec une petite banque. On continue de warper en catastrophe de là du Zelot, mais ce wall qui ne semble pas pouvoir tenir. Voilà, ça y est, c'est récupéré. Le Mothership Core à court d'énergie. Les gates qui continuent de prendre du dégât. Qu'est-ce qu'on va tenter de faire là? On a un immortel en backdoor. On cherche à avancer encore. Encore une gate qui est envoyée au tapis. Ouais, ça pousse dur. Ça pousse dur. Là, l'immortel qui est là pour essayer d'intercepter les renforts, essayer de faire un maximum de dégâts sur des roches un peu esselées. C'est peut-être la bonne opportunité ici du côté de Classic qui a des îlots pour repousser. Un archonte qui balance des grosses bastos par derrière. Est-ce que ça peut être suffisant avec le splash damage et les dégâts bonus contre les unités bio? Je ne sais pas. L'immortel qui n'a pas tapé depuis un moment, mais qui a déjà accumulé 9 kills et qui est peut-être en train de faire la différence ici. Classic avec une micro assez extraordinaire. Est-il en train de réussir à repousser? Sérieusement, il est en train de le tenir là. Alors la micro Imo avec le prisme était quand même assez folle. Oui. On va complètement insane, voilà. Un petit dixième kill, 12 kills pour cet immortel. Bon, c'est pour l'instant là du côté de Scarlet, on a pu reposer la base principale. Oh ouais. On n'a pas été gêné dans l'évolution du jeu là, ou du côté de Classic même avoir sorti un fight particulièrement pertinent. Il n'a pas posé de B3.
Non. On n'a pas avancé dans les upgrades, bref, ça sent un peu de sapin. C'est ça, pas de B3, pas d'upgrade, pas de cybercore, donc pas de sentry qui est warpable. Donc t'as pas d'accumulation d'énergie pour des force fields ou du bouclier gardien. Et pendant ce temps-là, bah, Scarlett a une B3 qui tournait effectivement, elle est même en train de poser B4. Donc économiquement, Scarlett est très très bien. Technologiquement, bah, classique, il va continuer à patiner pendant longtemps. Enfin, il va rester sur une composition de mid-game pendant très très longtemps. Et une composition en fait qui va avoir du mal à évoluer, faute de ressources, parce que pas de B3. Et du coup, c'est vrai que ça peut être assez inquiétant. Donc il sait qu'il se doit de faire du league. Il va essayer de le faire ici avec son prisme et son arconte. Mais la prisme qui prend déjà très très cher. Limo également qui va remonter. Qui était parti pop le gaz. Et encore, on a cette composition. Roach Ravageur qui va s'avancer, qui a envie de retourner à l'assaut. Forcément, il y a une B3 qui est sortie du côté de classique avec une banque complètement à nu. Et seulement 46 de pop armé à 82. Attention, les forces qui tombent ici. Il y en a eu 3 qui ont été balancés sans forcément faire le plus de dégâts possible. Mais on a warpé beaucoup de sentry pour le coup. On en a 10 sur le terrain. Donc on pourrait réussir à prélever quelques unités et surtout à les coller aux archontes pour permettre à ces derniers de faire un maximum de dégâts. Ça va être extrêmement tendu. Classique n'a pas le droit à l'erreur. Et même s'il ne fait pas d'erreur, il se peut que Scarlett s'en sorte quand même. Notamment bah, grâce au fait qu'elle a des ravageurs et que du coup elle pourra casser les force fields. Ouais, ouais, effectivement. Ces force fields qui vont être la clé. Continue de warper du Zilot. On a deux petits Hydra derrière qui, mine de rien, vont apporter un petit lot de DPS intéressant. Ah, et surtout qui vont être rejoints par de plus en plus de leurs copains qui ont été produits un petit peu plus tard. Ici, Scarlett qui prépare une concave absolument magnifique sur le côté. Ici, les Roaches qui sont en train de prendre. Les Roaches qui prennent aussi de l'autre. Les forces qui sont pas mauvais du tout, mais qui ont été cassés une première fois par Classique. Scarlett qui se refait prendre des force fields du coup ici. Mais on arrive finalement au contact. Il n'y a plus assez d'énergie, pas assez d'arcontre, pas assez de Zilot. Scarlett qui avait bien trop, qui a bien trop bien, n'est-ce pas, gérer ses fights. Et Classique qui se fait marcher dessus. JJ Scarlett qui égalise un partout dans ce BO3. Bien fait, oui, très très bien fait là pour la joueuse canadienne qui a su tenir. Il a fallu prolonger un petit peu la partie, mais voilà, cette phase de siège une fois de plus se prolonger a été payante. La bonne gestion sur les DT a été également clé dans ce match. Donc c'était assez intéressant. Et du coup, Classique a des failles. Classique a des failles, Classique n'est pas immortel. Classique peut être vaincu. Maintenant la question c'est, peut-il être vaincu deux fois? Bah, c'est ce qu'on va découvrir. Oui. Et là on est sur Tourbillon cette fois-ci. C'est ça. Carte immense, voilà, on va repartir dans une game un peu macro très certainement. En tout cas ça fait plaisir de voir Scarlett être capable de tenir la dragée haute au haut du gratin coréen. Donc on arrive, dernier match de ce BO3, on vous le rappelle, si Scarlett remporte cette game, c'est possiblement la première apparition en round of 16 d'un foreigner depuis un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Absolument, non, ça serait quelque chose à graver bien sûr dans les annales de l'e-sport et dont bien sûr les magazines e-sport ne manqueraient pas de parler. Vous le verriez instantanément sur vos interwebs. Ici Sacha Austin contre Classique, c'est parti. En bas à droite pour le Canada en bleu, il s'agit de Team Expert Scarlett. Et faites péter les Hydra Poutine dans le chat, hein. C'est le moment de rentabiliser les emotes Nation Wars pour les subs. C'est ça, rentabiliser. Après ils disparaîtront à jamais. Jamais. Pendant qu'en haut à gauche, il est rouge. Oh, c'est ce qu'est Titibouane. Classique. Alors, tandis que j'ai cassé la caméra, je crois. Du coup, on va faire un truc très simple. Hop. Demet. Voilà, parfait. J'ai réparé la caméra à partir de maintenant. Que faire sur cette map? Que faire sur Tourbillon? On est en cross, Scarlett ça ne le saura qu'au dernier moment, puisque forcément les Overlords ne peuvent pas scouter très très vite la position du joueur Protoss. Mais ça peut ouvrir des possibilités à Scarlett de jouer sur le long terme. La question c'est, est-ce qu'elle a cette volonté contre un mec comme Classic qui l'a montré contre Live, est tout à fait capable d'amener des macro-games très 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 longues et ne pas faire beaucoup d'erreurs dedans quoi. C'est une bonne question TKL. Oui. Je trouve aussi. C'est une excellente question à laquelle il faudra attendre un petit peu pour avoir la réponse. Et est-ce que tu trouves pas quelque chose de bizarre ici? Ce chrono boost dans le vent est. Non. Et ma foi, c'est pas ça. Étonnant. C'est pas ça. Sinon, elle fait double gate. Oui. Double gate. Avec un cyber anticorps. Cyber Nexus. Très bien. Habituellement, en Protoss,
tu aurais fait Gate, Nexus, Cyber, éventuellement Ingate. Là, on est sur quelque chose d'extrêmement agressif de la part de Classic. On est sur quelque chose qui a vocation à mettre une grosse pression sur les épaules de Scarlett, sans pour autant défendre, par exemple, enfin, t'es pas sur un Nexus First into the Gate où tu vas faire deux adeptes pour automatiquement mettre pression sur une joueuse Zerg qui aurait été laissée tranquille trop longtemps. Non, là, t'es vraiment sur un truc où tu vas aller chercher à taquiner la ligne de minerai à un moment ou un autre et ou à prendre de l'information sur la joueuse. Sachant que il est déjà en train de scouter à la prof, donc t'es pas en train de te dire les adeptes tu vas les split et tu vas les envoyer chacun d'un côté de la map pour scouter au plus vite. Non, tu sacrifies de l'incom en sortant la prof, donc tu veux que tes adeptes arrivent au plus vite sur une ligne de minerai un peu exposée. Ouais, effectivement, d'ailleurs il prend un chemin un peu détourné avec ses adeptes là. L'ami classique, on va pouvoir contourner. En fait, il est passé entre les overlords. Tout à fait. Pour pouvoir maximiser, bien entendu, l'effet de surprise. Le Twilight Concede qui va se mettre en place. Alors là, du coup, Scarlett qui arrive et qui prend une info quand même importante, c'est qu'il n'y a pas de wall au niveau de la B2. Ouais. Twilight Concede. Pas encore. Et Gate qui a été rajouté hein, de la part de Classic. J'ai l'impression qu'on va avoir une forme de push glaive résonnant hein, de la part de l'ancien joueur SK Telecom T1 aka le Chinto Sissi qui arrive directement dans la ligne de minerai, qui va commencer à prendre des drones. Il voit également la chambre d'évolution qui est en train de travailler avec le plus en attaque et donc peut se douter qu'il va y avoir grosse volonté de jouer sur du Zergling et peut-être même sur du drop. On arrive à se transférer une nouvelle fois au niveau de la ligne de minerai. Beaucoup de drones qui sont en train de prendre la sauce ici avec des bons focus fire de la part de Classic qui va prendre peut-être jusqu'à 8 drones. Non, seulement 7, mais 7 c'est déjà énorme, on le voit. 7 pour 2 adeptes, c'est très bien fait effectivement. Et pendant ce temps là, bien il a eu le temps de pouvoir refermer le wall, voilà. Tranquillement de sa B2, le Twilight Conceal qui tourne sur les glaives résonants comme tu le disais. Le warp qui devrait pas tarder à se finir. Alors le souci c'est qu'il n'y a pas énormément d'armées à la défense. On est sur 8 de pop armée pour classique, donc ça inclut le Momo. Et derrière on va avoir quoi, 2-3 adeptes. 3 adeptes, tout à fait. Chacun va, enfin le Momo vaut 2 de pop et les adeptes aussi. Du coup ce qui fait un grand total de 4 unités effectivement. Mais bon, Scarlett n'a pas beaucoup plus et elle a pas encore le plus en attaque. Elle a pas d'overlord pour dropper dans la ligne de minerai. Enfin elle en a un qui est là mais qui n'est pas encore transformé. Donc elle a pas énormément de possibilités. Et le fait est que derrière elle part sur du bending. Et le bending c'est bien, mais c'est une unité contre laquelle si tu splits tes adeptes avec tes glaives résonants, tu peux prendre des fights très 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 intéressantes pour le joueur Protoss. Donc là il faut que la joueuse canadienne soit extrêmement vigilante parce que c'est une énorme pression qui va lui arriver sur la tête. Ouais, 9 adeptes là hein, qui arrivent, les shades qui ont été claqués. On va passer en mode sneaky dans le dos de cette zerg justement. Alors attention puisque pour l'instant là le wall est ouvert. Le milieu de la carte est vu et contrôlé par Scarlett avec son renfort de Zergling, avec Xenaga également. Les shades là... Ah, je sais pas si elle les a vus, j'aurais tendance à dire non. Si, elle a vu complètement les shades arriver ici. Et elle est complètement en train de se mettre en position pour les intercepter. Mais la question c'est, est-ce qu'elle a assez face à 9 adeptes qui ont les glaives résonants. Et en plus de ça, Classic est en train de faire une transition double Stargate. Donc un adepte Phoenix qui va débarquer ici. La bonne surface de contact quand même de la part de Scarlett. Mais les glaives résonants qui font un massacre sur les Zerglings malgré leur plus 1 d'attaque. Les petites bestioles du Swarm qui se font démonter la gueule. Et les shades qui ont été acceptés dans la B1 ici. 4 drones supplémentaires qui ont été pris. Les Zerglings qui meurent. Les après les autres, on aura limité le dégât, mais pas tant que ça quoi. C'est 5 drones de plus, c'est 40 zerglings et le tout pour seulement 11 adeptes. Sachant que c'était vraiment une pression très light en fait. C'est 9 adeptes, c'est vraiment pas un gros commitment de la part de Classic qui lui met maintenant toute sa thune dans du double Phoenix qui pourrait intercepter cet overlord. Alors pourquoi plutôt Phoenix que par exemple partir sur du Void Ray ou ce genre de choses? Parce que le Phoenix, si tu en fais beaucoup, alors déjà tu vas pouvoir te défendre contre les Overlords etc. Mais en agression ils vont être beaucoup plus efficaces que des Void Ray. Les Void Ray, même s'ils ont eu un buff de vitesse, vis-à-vis du fait d'être en offensive, ils vont un peu se traîner le cul comparé à des Queens sur du creep ou okay. Pour sortir de la range des sports. Donc en fait ils vont avoir beaucoup de mal à se rentabiliser sans une forte armée au sol. Quand tu fais du full Phoenix, tu peux aussi faire du full adepte. Oh là, oh là, le wall qui est percé. Oh, ça rentre dans la main. Il y a du banning, il a pas de overcharge. Ouais. Alors, il y a un pack de probe là, voilà, c'est bien. On split du côté de classique. Encore une fois, une overcharge qui est bien utilisée. Ouais. On arrive à défendre. On a perdu 5 sondes, certes, et beaucoup de pylônes.
Mais là c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres ici. Il faut absolument fermer l'intégralité du wall du côté de Classic. Ça va être fait a priori, oui. Donc on va pouvoir un peu stopper l'hémorragie. Mais clairement on aura pris lourd jusque là. Des shakes qui ont été acceptés. Et du coup c'était ces deux adeptes qui se retrouvent bien isolés au milieu de la pampa pour fighter contre tous ces glings qui bénéficient du plus en attaque. La fight est complexe encore une fois du côté de Classic. Mais on va finir par nettoyer après avoir perdu 18 probes. C'est beaucoup. Scarlett qui a remis les pendules à l'heure. Ouais, ouais, c'est très très bien fait là de la part de la joueuse québécoise. On a pu récupérer de la sonde. On va pouvoir temporiser un petit peu cette game maintenant. Et surtout en plus, elle récupère l'information sur la double Stargate. Ouais. Et donc la transition Phoenix. Donc on va pouvoir s'en prémunir. Qu'est-ce que tu fais en tant que Zerg pour contrer ça d'ailleurs, Hydra? Alors déjà, commencer par avoir fait beaucoup de dégâts économiques, c'est cool parce que c'est en fait c'est une tech qui est très, enfin c'est, ouais, c'est une tech qui est très gourmande en gaz et qui du coup va t'amener à terme à soit prendre une troisième base pour pouvoir continuer à alimenter, soit devoir te limiter en fait dans tes choix. C'est-à-dire que tu vas pas pouvoir continuer et Phoenix et une autre technologie. Donc là, en ayant fait beaucoup de dégâts économiques, elle s'assure que Classic ne puisse pas continuer la pleine production de Phoenix. Et en maintenant son compte de Zergling sur la map, elle s'assure qu'il ne puisse pas réellement prendre une B3 qui permettrait éventuellement de compenser avec ses pertes initiales de probes. Donc là, en fait, c'est un peu la technique de l'étouffement. Maintenant, si vous n'avez pas réussi à étouffer votre adversaire, effectivement, faire des Phoenix peut être. Faire des Hydralisques contre les Phoenix est tout à fait sympathique. Ok. Ok, du coup, hein, les Phoenix qui passent à l'assaut, 8 sons, 9, on continue. Ouais. Pourtant, on a on a la tourelle anti-aérienne du côté de Scarlett, mais ça suffit pas. Les queens qui se font soulever. Bon dégâts là qui sont posés. Classic qui redonne un petit peu de cœur à son jeu. Il va falloir, parce que là, il est complètement maintenu. Il est contained actuellement sur ses deux bases. Et sur le long terme, ça va être un problème. C'est ça. Et je pense qu'il n'a pas vraiment l'espoir en fait de. Quoi que je dis ça, mais il reprend la production de probes. Mais il fait deux void rays supplémentaires. Enfin, il fait deux void rays. Ce qui est un choix assez particulier. Et d'ailleurs, il va continuer à produire des void rays. Donc la question, en fait, c'est qu'est-ce qu'on est en train de faire du côté de Classic? Est-ce qu'on se dit que pour se débarrasser des Zergling, on n'y arrivera pas au full adept. Donc on va rajouter des void rays pour permettre de défendre la B3. En tout cas, c'est très particulier là, ce qu'il est en train de faire. J'avoue ne pas avoir vu ça très, très souvent. Scarlett, elle, de son côté, qui va chercher le T2 et le plus en attaque à distance. Ce qui laisse à penser qu'elle va effectivement à terme aller chercher des Hydralisques. Ouais, ouais, effectivement. Donc, on est quand même parti sur un playstyle. Là, c'est late pour Scarlett. Ah, raison, on a le temps. Hein. Pour l'instant, vu que les trois bases sont déjà posées, elle a l'avantage à ce niveau-là par rapport à Classic. Il a sorti sa B3 tout de même au sud-ouest. On le voit sur la minimap. Bon, ce pack de Phoenix qui continue de chercher des proies. Attention, au niveau du milieu de la map, on a une avancée. Hein. Un petit pack de Gling qui va être vu par le Void Ray d'ailleurs au passage. Ouais, le Void Ray qui a vu, mais du coup les Zergling qui ont vu aussi en échange. Et du coup, bah, Scarlett qui sans doute, qui a déjà deux sports qui attendent au niveau de la B3, qui est tout à fait prête à réceptionner. Ici, des drones qui vont commencer à être prélevés du côté de Classic, qui fait un peu de dégâts économiques, mais qui oublie un Phoenix, qui s'oublie complètement un Phoenix et qui pourrait le perdre ici. C'est une perte extrêmement dommageable, une unité qui vaut cher pour un Classic qui n'a absolument aucune autre technologie que la Stargate à ce moment-là et qui donc bah, ne peut pas perdre ses unités qui lui permettent de rester en vie. Et il doit... Oh, il le run by sur la B3, ouais. Attention là. Tout à fait habile. Non, ça va. Pas de soucis à ce niveau-là. Ok, ici on tente le tout pour le tout au niveau de la B3. On a réussi à surcharger sur les sports et à faire le dégât. Classic du coup qui est en train de deny complètement le mining sur une base entière. Les Hydra qui vont sortir bien trop tard pour défendre cette B3. Ok, donc du coup on a fait ces void rays purement à vocation de deny de base en espérant arriver avant les Hydralisques. C'est le genre de timing qui est assez serré mais qui est passé ici pour Classic. Les Zergling qui tentent de trouver des proies, les adeptes qui sont très très dispersés et qui pourraient du coup effectivement mourir. Ouais, c'est sûr, mais il n'y a rien à récupérer en fait, il n'y a pas de sonde, cette base ne tourne pas pour l'instant donc pas vraiment d'intérêt à commit. Là, on va chercher encore le one shot sur la spore avec ses void rays, la queen qui frappe. Ah, il va falloir faire rentrer les Phoenix dans la danse là. Pendant ce temps-là, on risque d'avoir une escarmouche en cross map sur la base Protoss. Ouais, des Zergling et des Bendling hein, qui se préparent à l'agression à tout moment. On attendait le speedbane pour pouvoir le faire. Et Classic qui le sent bien venir, du coup, qui veut absolument ramener ses Phoenix pour aider à défendre. Mais la question, c'est est-ce qu'ils vont réussir à arriver à temps alors que le speedbane se termine d'ici 5 secondes et qu'ils vont pouvoir du coup se déverser sur le wall. Le wall qui tient pour l'instant. Il y a faute de recharge qui permet de prendre 3 Bendling. C'est très très bon pour Classic là. Attention à ce run by tout de même, là il y a beaucoup. 5 sur le tapis, photon overcharge qui est claqué, les adeptes qui vont s'employer. Et là tu vois, il y a une bonne vingtaine de Zergling qui sont morts
pour 7 propres de plus. Je sais pas si c'était très rentable cette opération pour Scarlett, mais elle avait besoin de faire du dégât en fait pour compenser la perte de cette B3 qui maintenant se retrouve ici. Et Classic qui ne laisse juste pas son adversaire respirer en fait, qui a toujours une nouvelle forme d'agression qui arrive. Ça a commencé avec une pression de 9 adeptes, et là toutes les 3-4 minutes il y a eu une nouvelle unité qui partait de sa base et qui venait faire du dégât. Ouais, là c'est pas terminé hein, puisqu'on a un drop adepte qui va arriver dans la B2 directement avec ce petit War Prism. Attention, il y a une sport quand même, on va pas pouvoir laisser le prisme en mode warping, mais voilà, les shakes qui vont être claqués, les sondes qui tombent les unes après les autres, les ergnings qui arrivent, mais au compte-gouttes, et clairement c'est pas suffisant. Ouais. On est passé dans la B1 directement avec les shades, on continue le massacre, c'est déjà 12 sondes qui ont été récupérées. Ouais non, là les dégâts sont massifs, hein. Scarlett qui prend bien trop lourd, et en plus de ça il y a une autre agression qui va résonner sur le côté pour deny une nouvelle fois la base. Les Phoenix qui attendent de ce côté là pour potentiellement soulever les Hydra ou les drones. Les dégâts sont absolument massifs et Scarlett se doit de regrouper son armée de regrouper l'ensemble de ses troupes pour défendre ses bases et se permettre de contre-attaquer, parce que là on ne peut plus rester chez soi du côté de Sacha Austin. On est en train de se faire maltraiter par Classic. Ouais, complètement. On a encore les Phoenix qui arrivent à récupérer quelques sondes. On a eu le plus en attaque et les tempêtes optioniques qui sont terminées dorénavant pour le joueur Protoss. Tout à fait. Les Void Ray. Bref, autant vous dire que sur la prochaine phase de teamfight, ça va être très dur à gérer. On a également des charges lots en préparation. Ouais. Un écart de 42 pop armés. Il y a de l'immortel, il y a de l'archonte. Il y a toujours cette escouade de Phoenix qui continue de faire peser une grosse épée de Damoclès au-dessus des bases de Scarlett. Ça sent le sapin. Ah, ça sent clairement le sapin ici, hein. C'est Phoenix qui ont fait beaucoup trop de dégâts tout simplement tout au long de cette map. Et derrière, comme tu le disais, une armée terrifiante hein, du côté de Classic, des adeptes, des Charlottes, des Storms, des Immortels, des Archontes. Et en plus de ça, 3 Void Ray qui sont restés en vie, donc qui vont rajouter, s'ils ne le sont pas, détruits rapidement, un DPS non négligeable dans l'armée du joueur Protoss. Derrière, une B4 qui est en train d'être sécurisée par Classic. Et Scarlett qui est un peu traumatisée hein, par les agressions en continu, n'ose pas vraiment sortir. Elle reste dans sa zone de confort, sur son creep qui, certes, est bien étendu sur la map, mais est étendu en ligne droite vers son adversaire, n'est pas étendu sur les côtés pour permettre aux Israélites que d'aller chercher des War Prism et autres Void Ray. Ouais, ouais, effectivement. Et d'ailleurs, on va aller jouer du côté hors creep pour Classic. Là, il y a un beau pack armé là, qui s'étale. Mmh. Alors attention tout de même, pas ce commit avant que justement ce pack armé soit regroupé. Est-ce qu'on a l'énergie sur les Templars? Ouais, ouais, on a beaucoup d'énergie sur les Templars. On a 2 Storms par Templar quasiment ici. Du coup, beaucoup, beaucoup d'énergie sur ces Templars. Et du coup, beaucoup, beaucoup de dégâts disponibles, surtout contre les Hydras qui vont être extrêmement friables face aux puissances psioniques de cette armée. Protoss, un archonte un peu isolé qui pourrait éventuellement se faire prélever, mais derrière on a les hauts templiers qui vont être disponibles pour commencer à storm sur les hydralisques qui prennent très très lourd. Un chiffre monté d'hydralisques qui est en train de se faire en direct ici. Quelques hydras qui restent sur le côté cependant pour essayer de faire la différence. Une nouvelle storm qui va être balancée, qui ne fait pas tant de dégâts que ça, mais suffisamment pour forcer les hydralisques à reculer. Est-ce qu'on a assez du côté de Scarlett? J'ai pas l'impression, Ellie. C'est compliqué, on va avancer, on a même pas encore claqué l'overcharge sur les Void Ray, ça y est, c'est fait. On a pu sniper la sport, les Imo qui sont en train de tenir à eux deux toutes les Aïra de l'ouest. Pour l'instant, il y a les Stamps qui continuent de pleuvoir, les dégâts qui sont excellents, les Charlottes qui vont arriver au contact. Scarlett est en difficulté, cette B4 qui va sauter. On a également le plus 2 d'attaque qui va se terminer pour Classic, des fois qu'il n'aurait pas suffisamment d'avance pour arriver à finir cette game. Ça y est, la base est morte. GG Classic qui sent. Sans vraie surprise, s'impose dans son groupe et voilà, l'emporte contre la joueuse canadienne. Il se sera fait un peu peur. Scarlett aura mis un bon combat, mais contre un mec qui fait partie du top 4 de sa race en Corée, ça reste difficile pour la joueuse canadienne. Surtout en fait après une première game où elle fait vraiment un gros pari, un cheese qui ne paye pas. Ouais, effectivement, elle s'est bien battue, mais c'était pas suffisant face. Au jeu de classique, bon, cheese en game 1, game 2 macro qui est bien négocié, game 3, bah vous venez de la voir. En fait, je pense que le rythme qu'a imposé vraiment classique a été était juste intenable en fait. C'est là vraiment qu'on voit la très grosse force et la rigueur encore de ce joueur. C'est comme tu l'as dit, toutes les 3 minutes environ, tu as un nouveau type d'assaut qui arrive. Et ça qui est important, c'est que c'est pas juste un assaut, c'est qu'il est nouveau à chaque fois. Et donc ça force en fait le mind game en permanence à dire attendez.
Là, je me suis pris des adeptes. Je me prends des phénix. Derrière, je comprends pas. Il y a des immo qui arrivent. Il y a des void ray aussi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Et du coup, bah, ça pousse à l'erreur. Et donc, Scarlett n'a pas pu tenir. C'est ça. Surtout okay. avec la vitesse à laquelle c'est fait. Hein, ouais. Ça va effectivement très vite, peut-être trop vite. En tous les cas, Scarlett qui n'aura pas trouvé les solutions contre Classic. Trouvera-t-elle des solutions contre son prochain adversaire? Car elle est envoyée en decisive match. Elle rencontrera le gagnant de la prochaine rencontre. La rencontre qui opposera du coup Alive à Myung-Sik, un nouveau PVT, mais ça sera dans quelques instants. A tout de suite.